Bonsoir tout le monde, c'est Maddy. Nous sommes toujours le jeudi 23 mai et je vous refais encore un petit tirage ce soir parce que je me sentais plutôt en forme, hein, voilà. Donc je me suis dit je vais en profiter pour faire deux petits tirages. Donc le premier, on va demander un peu cette histoire de tableau là, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Le fameux tableau du prince Charles, peut-être que vous en avez entendu parler ou peut-être pas. Donc comme ça, je vous le mets là, vous pourrez regarder, hein, ceux qui n'écoutent pas en podcast. Ceux qui écoutent en podcast, vous pourrez aller regarder plus tard de quoi a l'air ce fameux portrait, mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, le fameux portrait du prince Charles. Alors déjà, je trouve qu'il a pas les yeux tout à fait pareils. C'est très bizarre, il y en a un... En tout cas, j'ai bien regardé, j'ai l'impression qu'il y a un œil... Il y a une pupille plus petite que de l'autre côté. Alors, c'est peut-être un effet de la lumière, mais enfin, il a des yeux bizarres. Il est tout en rouge. Tout est en rouge dans ce tableau. Le fond du tableau est rouge. Lui-même, il est vêtu de rouge. Ça fait rouge sur rouge. C'est horrible. Mais pourquoi autant de rouge? Et tenez-vous bien, en plus, il a un papillon au-dessus de l'épaule droite. Donc, ça fait bizarre, tout ça. Alors, c'est lui, évidemment, qui a donné les consignes au peintre. Et donc, on va demander, est-ce qu'il y a un truc qui veut nous dire, là, dans ce tableau? Attends, j'ai une carte qui s'est retournée, là. Ouais, il y a une carte qui s'est retournée. J'en ai même plusieurs. Donc, on va aller prendre le jeu de l'éclipse. On va changer un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a un message dans le tableau? Pourquoi autant de rouge? Sachant que le rouge, c'est quand même la couleur de la violence, du sang, enfin bref, du meurtre, enfin, de ce que vous voulez, quoi. Alors là, il y a des questions de talisman. Bon, pardon. Et les questions, c'est quoi déjà ça? C'est un crapaud. Alors, c'est un crapaud. Ouais, je me rappelle plus ce que c'est ça. Attendez, c'est un... Oui, bon, d'accord, c'est un crapaud qui observe. C'est quand même un animal maléfique, le crapaud. Hein. C'est marrant, on a l'impression que c'est talisman par rapport à des choses mauvaises. Protection, pourquoi protection? Est-ce que le rouge, ça le protégerait? Alors, on va essayer de voir. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que le tableau soit en rouge? Je crois pas que ce soit par goût personnel, ou alors il a un goût de... Bref, je vais pas dire le mot. Pourquoi? Parce que j'ai quand même la question de talisman. Attends, hop. Alors. Bon, ça peut être lui. Oui, coup de balai, volcan. C'est encore rouge, là. C'est encore du rouge. Alors là, il y a quelque chose comme une destruction, un anéantissement de quelque chose. Je vois pas trop le message du tableau. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce soit en rouge? Karma. Bon, lui, il va pas faire long feu. Hein. Ça, on s'en doutait, le karma. Ouais. Mais là, il y a un coup de balai et il y a un volcan. Est-ce que c'est son destin futur ou est-ce que c'est le message du tableau? C'est quoi son message? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, là? Les démons. Oh là là! Oh là 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 là! C'est quoi ça? C'est vrai que le rouge, c'est... Moi, ça, je vais vous dire un truc, ça m'a fait penser à l'enfer. Quand j'ai vu le tableau, j'avais eu l'impression que c'était les flammes de l'enfer. C'était très curieux. Si vous regardez vraiment attentivement, c'est du rouge, oui. Mais c'est du rouge, c'est pas une couche uniforme, étalée uniformement. Vous voyez, il y a des espèces de flammes dedans. C'est très bizarre. Est-ce qu'il nous prévient de quelque chose? Bon, lui, de toute façon, il n'y en a plus pour longtemps, là. Là, il est en train de s'effriter, là. Bon, ça, on est d'accord. Mais je crois pas que je suis en train de parler de son destin, qui est de finir peut-être en enfer. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il a fait des belles choses dans la vie, ce monsieur. Hein. Mais... Qu'il n'est pas plutôt en train de nous dire qu'il va y avoir un coup de balai, que ça va être justement quelque chose de très violent et qu'il va y avoir des histoires de violence. D'où le rouge du tableau. Est-ce qu'il veut dire qu'il serait témoin de la violence à venir, par exemple? Parce qu'il y a quand même le papillon. Alors le papillon, oui, je sais, c'est le projet M plus loin K que vous connaissez, évidemment. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir encore autre chose? Parce que c'est vrai que le papillon, c'est la transformation. Est-ce qu'il est en train de nous dire que le monde est en train de se transformer? Bon, ça, c'est un sort maléfique.
Oui. Ce qu'il est en train de nous avertir. C'est aussi le fruit défendu. On peut y voir ça comme ça. Ah, j'ai du mal à les sortir ces cartes. Oh là là. Ça, c'est la carte de la guerre quand même, hein. Il est en train de nous prévenir qu'il va falloir se battre par rapport à de la violence et des explosions, là. Il y a un message dans le tableau. C'est comme un avertissement en disant, voilà, ce qui vous attend et ce que moi je vais voir ou ce que je vais déclencher, en gros. Il y a quelque chose, hein. Alors, je vais même vous dire autre chose. Ce sera en relation avec un manque d'argent. Donc le déclencheur, ce sera la crise financière. Écoutez bien ce que je vous dis là. Là, je suis connectée, là, comme on dit. Là, j'ai des infos qui me viennent. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis, ça va être ça. Ça va être ça. Alors, c'est dans pas très loin ceux qui ont suivi mon live. Pas celui pour les membres, mais celui qui était pour tout le monde. Je vous ai donné des dates. Peut-être que je me suis plantée, que ce sera avant. Ce sera au moment où il y aura un manque d'argent. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors les démons, bah, c'est la violence, hein. Bah oui, parce que si, par exemple, imaginez que les banques ferment, qu'il y ait la banqueroute générale et tout, là, ce sera pillage et compagnie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, hein. Alors c'est pas le manque d'argent là-bas, mais c'est quand même les émeutes. Et il n'y a plus rien à manger, quoi. Enfin voilà. C'est bah les gens ils se conduiront en Europe, hein, ils se conduiront complètement comme des sauvages, hein. Si jamais il devait y avoir un problème de genre, moi je suis persuadée qu'il y aurait aucune solidarité. J'en suis sûre. Ce serait chacun pour sa pomme. Tout le monde irait courir faire les courses ou même piller les magasins, notamment les casseurs parce que de toute façon ils ont même pas besoin d'aller faire les courses, ils se serviraient. Et hop, que je me sers et que je fasse des provisions. Je vous assure. C'est ça qui se produira. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire des provisions. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui est en préparation et son tableau, c'est un avertissement. Voilà. Je vous le dis comme ça. Pour bien que ça rentre dans les têtes, mais c'est ça. Il nous avertit de ce qui est à venir. Et le papillon, transformation. Alors, ça, c'est quoi? Ah, ben, j'arrive même pas à le mettre à l'endroit. Ah, le tarot, pardon. Le tarot. Ben, les cartes. Les cartes, la voyance, oui. Le message des cartes. L'éclaircissement avec les cartes. Ben, là, le jeu est en train de me dire que, effectivement, on a des éclaircissements grâce aux cartes. Bon, même si ce n'est pas un jeu de tarot, hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est confirmé par le jeu lui-même. Donc, c'est ça. Le roi est en train de nous dire, voilà ce qui vous attend, mes cocos, et que vous verrez sous mon règne. Bah, étant donné qu'on pense que son règne ne va pas durer longtemps, aïe, 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 et que moi, je vous ai donné les dates, ouais, ça correspond, ouais, ça correspond. Donc, guerre, violence, explosion sociale, là, voilà, c'est ça, en fait, c'est l'explosion sociale. Broom, c'est aussi les disputes, mais c'est le coup de balai, quoi. Donc, on passe à autre chose. D'où le papillon. Ah, vous avez compris, hein? Voilà. Et les gens vont devoir se battre pour survivre. Alors ça me fait penser par contre, ça me fait penser par contre à quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est que vous savez, enfin plutôt vous voyez sur la carte ces espèces de lianes, de trucs là qui sortent du sol et qui sont noirs. Vous voyez? Et qui enserrent comme des lianes une main qui tend, qui appelle à l'aide. Eh bien, ça me fait vraiment penser à ce qu'ils nous ont foutu dans la soupe. Et ça ressemble à ça. Des trucs qui poussent, qui grandissent et qui finissent par voler l'énergie de la vie. C'est marqué sur la carte. Voler l'énergie de la vie. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a des infos. Alors, soit ça veut dire que le poison aura fini de faire son œuvre, parce que bon, vous voyez que bon, il y a des gens effectivement qui passent vers l'au-delà. On va faire attention à ce qu'on dit, mais bon, c'est quand même pas la majorité, hein. C'est petit bout par petit bout. Sauf que là, avec une carte comme ça veut dire que les choses vont s'accélérer. Oui. Donc voilà, je vous l'ai expliqué. Et le diable. Bon, bah écoutez, on a tout là. Bah oui, on a tout. Hein. Donc ça veut dire que le monsieur, il est en train de nous dire, vous allez voir
le règne des Sata, Ik ou Ist comme vous voulez, qui va arriver et qui sera à son apogée au moment où il n'y aura plus de sous. La crise financière, ça veut dire le manque d'argent, pour ceux qui ne parlent pas anglais, lack of money, c'est le manque d'argent. Vous allez voir l'explosion sociale qui va en découler. Les gens qui seront de plus en plus malades à cause de ce que je vous ai dit. Et donc, coup de balai, on passe à autre chose. Ah oui, puis la guerre, évidemment. Mais bon, ça peut être aussi la violence. Hein. Mais si c'est pas la guerre, de toute façon, vous voyez, c'est les gens qui vont prendre les armes. Donc, c'est la guerre civile, quoi, je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, tout ça, c'est dans son tableau. Voilà. Bon, on a compris. Donc, c'est pas du tout... comment dirais-je? C'est pas du tout anodin. C'est le message... Sous son règne, voilà ce qui arrivera. J'ai que des cartes négatives quand même. Hein. Sauf les cartes de l'éclaircissement par les tarots, où le jeu me dit, c'est ça. Bon. D'accord. Eh ben, à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors l'autre fou, là. Pourquoi est-ce qu'il est encore là? Ah ouais, je l'adore. Bon, alors. Moi, je pars du principe que, quand même, il aura un problème de santé. Oui. Parce que on sait ce qu'il prend. Et ce qu'il prend, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Maintenant, est-ce que il pourrait pas savoir ce qu'on est en train de dire sur lui et finalement, là aussi, faire appel à des gens qui pourraient contrer finalement le karma. Il y a un truc comme ça, hein. C'est-à-dire que le ralentir, quoi. On va demander. Parce que c'est pas possible, quoi. Alors, je redemande, hein. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, ce monsieur? Et puis, est-ce qu'il nous écoute? Allez. Est-ce qu'il sait qu'on lui a dit qu'il finirait pas ce qu'il le sait? On va faire les choses dans l'ordre. Alors, je pense à l'autre, là. Est-ce qu'on est sur écoute? Bon, alors là, il y a une aide, un couple. Un couple, on rend service. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, je vois pas. Des questions d'aide. Oh, ça se trouve, il a utilisé les marabouts de l'autre, de sa conjointe. Bon. On va demander, est-ce que Caligula sait que sa vie est en danger parce qu'on l'a dit je sais pas combien de fois? Oui, coffre-fort. Oh là là, ça va être encore compliqué à percer ses pensées à lui. Et des secrets, ouais. Bon, c'est les secrets. Les secrets. Des trafics secrets. Ben, j'ai l'impression qu'il sait. Hein. Des trafics secrets. Il sait que... Ouais, il le sait. Il sait qu'on a dit qu'à un moment donné, il sera en retraite. Ça, il le sait, il l'a écouté, il l'a entendu, il l'a compris. Voilà. Ça peut être lui, vous voyez, mise en retraite, repos. Donc, il le sait. La carte, elle est là. Mais, vous voyez, il y a des trafics secrets mis sous coffre. Alors, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la carte des voyages. Des lois. Là, ça, c'est les vacances et ça, c'est la loi. C'est-à-dire le peuple. Bon. Alors, lui, dans sa tête, c'est il partira une fois qu'il aura fait les lois contre le peuple. Ça, c'est dans sa tête. Il partira même en vacances. Donc, ça veut dire qu'il aura fini. Dans sa tête, hein. Voilà, fini, tranquillo, hop. Et on s'en va vers les îles, pourquoi pas, avec une valise comme ça, les lunettes de soleil et tout. On s'en va, on prend la crème solaire, les serviettes de bain, on se casse. Mais avant ça, il faut avoir fait des lois contre le peuple. Moi, je veux savoir ce que c'est que ces trafics secrets, là. C'est quoi ces trafics secrets? Accident, déséquilibre. Quelque chose qu'on ne veut rien entendre. Des histoires de comptabilité.
Il y a des histoires de médecine là-dedans. Ok. Bon, bah ça me parle de tout ce qui s'est passé avec la crise du coco. C'est top secret. Vous voyez, c'est dans le coffre. Et là, il y a eu effectivement des tracites illicites, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ne pas qu'on en entende parler. Ça, c'est la comptabilité, je vous ai dit, hein. C'est-à-dire, bah, c'est des histoires de sous, quoi. Ok. Bon, alors, il m'a pas répondu par rapport au fait que pourquoi est-ce qu'il ça dure, pourquoi est-ce qu'il dure si longtemps, voilà. Mais bon, il sait qu'on a dit qu'il allait être en retraite plus tôt que prévu. Alors, bon, là, on voit ce qu'il veut nous cacher, hein, d'accord? Mais ça a l'air d'être vachement grave, hein, ce qu'il a fait, hein, avec la caisse du coco, hein. C'est super, super grave, hein. Bref, donc monsieur a décidé de rester jusqu'au bout pour enquiquiner le peuple. Alors, pourquoi est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il. Ah, attendez, comment j'ai tourné ça, moi? Pourquoi est-ce qu'il pourrait rester aussi longtemps? Qu'est-ce qui ferait qu'il resterait jusqu'à la fin? Parce que quand même, hein. Quand est-ce que sa santé va se déglinguer à lui, quoi? Qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait rester aussi longtemps? Oh, ben, c'est le secret, là, flûte. Il y a quelqu'un qui lui murmure des secrets à l'oreille. Ou alors c'est moi qui n'ai pas le droit de savoir. Est-ce que moi je me suis trompée sur son départ avant les 3 ans? Est-ce que moi j'ai raison? Est-ce que je me suis plantée? Ouais, là on est perdu. Ouais. Est-ce que je me suis plantée là? Oh là là, vous voyez, en fait, c'est marrant, hein. En fait, il est en train de me dire qu'il y a un chemin là, il y a même deux chemins, mais c'est vraiment les questions de chemin. Le chemin qu'on prend, alors c'est pas moi, c'est lui là, il prend le chemin, il prend un chemin. Alors, est-ce qu'il essaie de changer le chemin que moi j'avais vu? Est-ce qu'il essaie de changer la direction de son destin? Quelque chose en construction, mais. Ouais. Ouais, bah c'est ça, hein. Écoutez, quelqu'un qui lui murmure le secret à l'oreille, c'est qu'il a écouté, hein. Il le sait, hein. Il le sait qu'on a dit que. Enfin, pas que moi, mais ça, je le sais. Donc, il le sait. Et là, il fait en sorte de prendre une autre direction. Et là, c'est le peuple qui le méprise. Il considère que les gens, c'est des cons. C'est vraiment le mot, c'est la connerie humaine. Donc, le mot, il est français, hein. Il considère que les gens sont cons et il veut construire quelque chose d'autre pour le peuple. Et vous voyez, et tant que ça ne sera pas fait, il partira pas. Mais comment il fait au niveau de la santé pour rester toujours en forme? Moi, je comprends pas. Ouais. Il y a des gens qui s'occupent de sa santé. Il y a des techniques, il y a des choses techniques concernant sa santé. Là, on travaille quelque chose, là. Là, vous voyez, il y a des choses qui poussent, mais qui sont bonnes pour la santé. Il y a quelque chose qui prend pour la santé. Il y a des trucs. Il y a peut-être même. Alors, je m'avance peut-être beaucoup, mais je me demande s'il n'y a pas des nouvelles technologies. S'il n'a pas le bénéfice d'une nouvelle technologie, là, pour l'aider à rester en bonne santé, vous voyez? Je me demande. Il y a des trucs qu'on ne sait pas, hein. On va demander, est-ce qu'il prend quelque chose pour rester en bonne santé? Voilà, les enfants, oui. Non, bon, c'est bon, quoi. Les enfants, les bébés. Non, mais attendez, qu'est-ce qui me sort, là? C'est quoi ce truc? Il prend pas des enfants et des bébés, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose par rapport aux enfants. Bon, après, ça, c'est les moutons. Les moutons qui ne voient rien, qui ne veulent rien voir. Y a quelque chose par rapport aux enfants. Quoi?
Ah, le jeu, il va peut-être pas me répondre. Hein. Alors, est-ce qu'il prendrait des substances horribles faisant intervenir une nouvelle technologie, des choses bizarres avec la technologie et en même temps avec des choses, voilà, juvéniles, on va dire. C'est caché, c'est ouais, malchance, le malheur, oh là là. Il y a quelque chose avec les enfants. Hein. C'est une création, une créative. Ouais, écoutez, je vais prendre un autre jeu. Mais je me demande si pour comment dire, pour prolonger sa vie, il prend pas des. Ouais, je sais, c'est horrible ce que je sors, mais j'ai quand même sorti les bébés et les petits-enfants. Avec le malheur. Et j'ai sorti aussi les nouvelles technologies. C'est pas possible. Hein. Il doit prendre un truc. Attendez, on va demander. Bah, t'es là, toi? Oh là là, je vous montrerai la photo après, ça vaut le coup. Bon, je pense qu'il doit prendre, il doit faire des trucs pour prolonger son état de santé, pour l'améliorer. Enfin, voilà. Il y a un truc. J'ai reposé la question encore une fois. Va-t-il rester jusqu'au bout? Oui ou non? Alors, cette fois, on va faire le tarot, qui est quand même assez, assez parlant. Attendez, je reprends dans l'ordre. Enfin, je reprends dans l'ordre. Je reprends les 22 lames. Je fais une petite pause. Voilà. Donc, on va voir. Je vais pas en prendre beaucoup pour éviter de me perdre. Parce que moi, j'en ai marre, quoi. Je sens toujours pareil. Mais bon, on va redemander. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout, donc jusqu'en 2027. Parce que s'il reste encore 3 ans, là, c'est foutu. Hein. Parce que quand on voit déjà tout ce qu'il a réussi à détruire en 7 ans, donc disons qu'il a accéléré, quoi. Il a fait accélérer le processus qui était bien commencé déjà depuis 40 ans. Mais enfin bon, là, s'il reste 3 ans de plus, là, c'est mort, quoi. Donc, on va demander. Est-ce que il va rester jusqu'au bout, oui ou non? Je regarde pas la coupe pour éviter de t'être perturbé. Va-t-il rester jusqu'au bout? On va tirer 2 cartes. Jusqu'au bout de son mandat. J'ai quand même un changement ici. Et là, j'ai la manipulation. J'ai quand même un changement. J'ai un changement. Mais j'ai le magicien. Alors, c'est pas sûr que ce soit une bonne personne, ça. Une surprise. C'est marrant, moi, le jeu. Vous voyez, le jeu me dit qu'il y aura un changement et il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui est inattendu. Inattendu. Donc, reste-t-il jusqu'au bout? Enfin, va-t-il. Ouais, va-t-il rester. Non, regardez, j'ai la mort. Moi, je. J'ai beau prendre mon jeu comme je veux, il me dit toujours la même chose, quoi. La mort. Changement radical. Donc non. Voilà, j'y peux rien, il me dit non. Il y a quelqu'un d'autre qui est inattendu qui arrive. Alors, bon, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Hein. L'étoile. Quelqu'un qui sera souhaité. Voilà. Est-ce qu'il sera positif? Ben, faut l'espérer, mais... en tout cas, quelqu'un qui est... Ouais, qui est quelqu'un qui sera là. Vous voyez, regardez, le fou, l'étoile. Bon, on verra bien. Moi, je suis désolée, je ne vois pas rester jusqu'au bout. Il peut faire toujours ses micmacs et tout. Non. Non. C'est toujours pareil. J'ai toujours la mort, j'ai toujours la catastrophe, j'ai toujours un truc. On fera bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.